Bite de boule, c'est de la balle aussi. Ok? Bientôt dans les bacs. Bite de boule et scorpion. L'attentat suicide d'un kamikaze est toujours sous pression comme dans une bouteille de gaz. Aujourd'hui conditionné à ne pas craindre les autorités, car à leurs yeux je serai toujours ce maghrébin issu des cités. Ici pas de voyage en paix, c'est la guerre. Je suis un de ces jeunes représentant un explosif dans la poudrière. Mon cœur est balafré comme ma feuille de rature, toujours marginalisé, illustré comme voleur de voiture. Ici on fonce droit au but comme à l'OM, car ici on n'a jamais cru en rien, même pas au Père Noël. Alors fin au coup de bluff et au projet de réhabilitation, nous serons toujours des étrangers victimes de discrimination. Et arrêtez de me parler d'une future positivité, ça ne fait qu'alimenter mon animosité. Nous aussi, à tirer, je vais pas hésiter. En sanglots et la France vivant dans l'insécurité. C'est la renaissance d'une jeunesse proliquée. Faire tout sauter, ils ont tous la mèche au bout du briquet. Génération Molotov, sortez l'égalité car les munitions sont cachées dans le corps. La France nous a pris pour ses sobriquets, nous faire tourner en rond et la tête comme dans un tourniquet. Génération Molotov. Je suis un terroriste des temps modernes qui pose des bombes avec sa plume et qui a le sourire aux lèvres quand un véhicule de police brûle. Car ici c'est zone rouge, c'est l'intifada des blocs. Les petits ont laissé leur carta pour la cagoule et les glocks. Ils aiment rouler en T-Max, foutre une douille dans le roussi. Car ici c'est génération Scarface, fan de Valentino Rossi. Les jeunes sont sous tension, l'état sous pression et les représentants de la loi chargés d'appliquer la répression. Pour le nettoyage au karcher qu'il passe à la présidence, il ira bouffer de la volaille cachère. Une chose est sûre, c'est que je mangerai pas de leur porc. Le seul que je me grillerai tourne devant chez moi en uniforme. Je l'égorgerai bien lui, comme un mouton à light. En l'honneur de Bounadziad, de Mohamed et de Saïd. Toujours victime de leur justice à deux vitesses. La dérision est unanime et ma jeunesse est en détresse. Ouais. Yeah. C'est la renaissance d'une jeunesse proliquée. Faire tout sauter, ils ont tous la mèche au bout du briquet. Génération Molotov, sortez l'égalité car les munitions sont cachées dans le corps. La France nous a pris pour ses sobriquets, nous faire tourner en rond et la tête comme dans un tourniquet. Génération Molotov. C'est le bruit de nos kalachnikovs. Messieurs les dirigeants, aujourd'hui y'a d'eau dans le gaz. L'impassibilité vous fait défaut, car l'eau a débordé du vase. C'est pas l'air qui fait la chanson ni la musique, c'est la fin des haricots, car dans nos ghettos les carottes sont cuites. Sur la scène politique, hypocrisie à la réalisation, nous projetant les bienfaits de la répression et de la colonisation. Sous aucune solution, se retrouvent tous au bout du rouleau, disposés qu'à des sales boulots. Ils veulent qu'on respire sous l'eau. On compte déjà trop de plaies qu'on ne peut cicatriser. Le mal est déjà fait, ça en réjouit plus d'un à l'Elysée. Je suis un de ces jeunes en colère qui n'a plus rien à perdre, qu'on tolère que par substitution que pour payer les pots cassés. Eh hey messieurs, c'est ça la République, c'est ça la France, c'est ça l'égalité des chances. En tout cas ici, les gringos sont tous agités et ces scorpions en Marruecos issus des cités. C'est la renaissance d'une jeunesse reliquée. Faire tout sauter, ils ont tous la mèche au bout du briquet. Génération Molotov, sortez l'égalité car les munitions sont cachées dans le corps. La France nous a pris pour ses sobriquets, nous faire tourner en rond et la tête comme dans un tourniquet. Génération Molotov. Hier de prison, j'ai fait 17 ans de prison dans ma vie. La première fois que je suis tombé, c'est dans les années 80, c'est que des rechutes. Un an, 15 mois, 18 mois, 9 mois, 6 mois, 4 mois, 4 ans, 2 ans, 9 mois, 1 an, 18 mois, depuis 2006. Jamais boucram. Jamais balancé. Jamais balancé. J'ai jamais ramené avec un gars de ma cité avec moi au tribunal.